Salut tout le monde, aujourd'hui on simple choix MLP, donc My Little Pony sur Android. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus. J'avais maximum de screenshots mais j'ai tout supprimé. J'en avais plus de 1000 et tout, mais voilà, faire des vidéos avec des screenshots c'est pourri, c'est nul. Moi voilà, ça m'a un petit peu surdosé, surbooké, je sais pas, enfin bon. Et donc du coup bah j'ai abandonné et puis bah on repart plus ou moins à zéro et puis voilà, c'est pas grave. Enfin c'est pas un jeu où on peut vraiment se mettre dessus, c'est assez compliqué quoi. Donc du coup je voulais juste donner des nouvelles à ce niveau là. Donc là voilà, donc j'ai tout récupéré, enfin tout récupéré. J'ai tout ouvert, voilà, tout, j'ai tout, tout acheté le terrain. Et donc du coup tout ça c'est à moi. Après il me reste pas mal de terrain à acheter sur les autres niveaux. Mais là c'est déjà plutôt pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai réussi à avoir? Et bah regardez. Si on va dans l'éclat de ballon et qu'on se fait un truc de ballon, et ben on gagne des objets. Ça c'est puissant, t'imagines? Voilà. Et donc du coup, donc là j'ai réussi à avoir pas mal de choses aussi hein, quand même. Voilà, donc il me reste plus que 4 4 personnages à avoir, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et puis là, bah là j'ai rien vraiment eu. Là par contre, il y a un moment où ça coûtait plus que 5 gemmes au lieu de 20. Du coup j'ai fait j'ai essayé de récupérer le dernier poney qui me restait à avoir. Et attention, boum, Celestia n'est plus à récupérer. Et ouais, ça c'est la puissance. Voilà, donc collection, j'en ai quand même déjà plutôt pas mal. Donc c'est les... Ah bah non, collection. Ah ouais, collection c'est... Ouais bon, bon. Donc ça se fait au fur et à mesure avec les personnages. Ou même en dépensant des sous, malheureusement. Et donc du coup, bah costume aussi, voilà, qui est quand même bien rempli. Presque la moitié. Magasin aussi qui est bien rempli. Enfin bon, c'est vraiment... C'est très très long. Oh, ça fait combien de temps que j'y joue? Ça fait... Poulala. Bien, je suis niveau 116. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, bah ouais, ok. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose là. Oh là, 158. Bug. 32 717. Sacré bug, hein. Oh oui, je sais. Regardez les collections. Il y a un petit cadeau. Ouais, il y a des trucs à récupérer. C'est pas mal ça. Voilà, donc une petite récompense de 25 gemmes, ce qui est quand même plutôt assez sympa, que j'ai attendu d'ouvrir devant vous. Voilà, je sais pas, je me suis dit tiens, on va l'ouvrir devant vous, c'est plus sympathique. Hop là, 25 gemmes en plus, j'arrive quand même à 506 gemmes. Ah bah attends, petit à petit. Quelque chose que je vous ai peut-être pas dit, c'est le fait que j'ai terminé absolument toutes les missions, sauf celle de Clunch Town. Et bah voilà, c'est ça qu'on va faire. Bah je viens de trouver. J'ai trouvé comme ça tout seul. Ça c'est puissant quand même hein. Ok, donc du coup, enfin puissant, non pas vraiment. Ok, donc nous voici sur Clash Town. Donc j'ai plus ou moins presque tout ouvert, sauf cet endroit là. Pourquoi? Pas parce que j'ai des missions à faire, notamment accueillir l'Xplittle. Et le problème... Ah non, mais les missions je les ai... Enfin je les ai plus à faire du coup parce que je les ai fait. Alors je peux l'acheter, hein, y a pas de souci. Le problème c'est que j'ai plus de place et c'est extrêmement handicapant. Parce que bah on peut rien placer du coup et on peut pas avancer à ce niveau-là. Je vous ai attendu quand même hein, pour faire 2-3 missions. J'ai pas fait toutes les missions de Clash Town parce que bah je me suis dit que voilà ça pourrait être pas mal quand même. Je le savais. J'ai jeté un coup d'œil par le hublot de l'aéronef pendant que Mulet s'y trouvait et il regardait une carte du quartier de la vapeur à l'autre bout de la ville. Je dois le suivre. 2 heures. Oh là 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 là. Alors, où est le trésor? Allez, j'attends depuis des lustres. Oh, j'ai tellement hâte. Les gars et moi voulons finir cette installation artistique depuis des mois, mais nous n'avons pas réussi à le faire. Voilà une liste des fournitures dont nous avons besoin. Si tu veux nous aider. Construis un phare, plante un palmier, enlève des objets retirables que j'ai déjà fait. Ok. Alors, bah allez, un phare. Génial. Alors, regardez, ah ouais, une nouvelle chose aussi qui est arrivée. C'est la fameuse tirelire. Donc, j'étais pensé tellement de gemmes que du coup, ça permet en fait de récolter des gemmes derrière.
Et du coup, 150 gemmes de récolter. Donc ça, c'est le maximum. Donc pour seulement 3 euros, t'as quand même plus de gemmes que pour 10 euros. Franchement, je trouve ça quand même pas mal. Alors moi, je dépense pas de sous sur ce jeu parce que sinon, après, on gagne des points VIP. Et je veux rester à 0 point VIP parce que sinon, bah c'est nul quoi. On voit Applejack occuper le capitaine Salaino au quai pour aéronef. Ah mais oh, mais c'est un truc de fou! Il y a planter un palmier et construire un phare. Alors par contre, Counter-Lot n'a pas vraiment changé. Hein. On a toujours l'immense carte qui est inoccupée. Mais petit à petit, ça va venir, voilà. Donc, je m'occupe de lui de toute façon après, plus ou moins. Enfin, d'abord Clutch Town, après plus ou moins lui. Et puis après, une fois que c'est fait, je m'attaque à l'Empire de Cristal, tu vois le délire. Et donc du coup, bah, ça, petit à petit, ça avance. C'est très 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 long, mais ça avance, hein, c'est plutôt pas mal. Alors il y a peut-être quelque chose de nouveau, c'est la fameuse carte qu'on peut accéder directement en appuyant en bas à gauche là. Hop, on appuie, et hop, on tombe sur la carte. C'est pas beau ça? Ça c'est génial, franchement j'adore. Voilà, donc du coup, hop, on va récupérer tout ça. Et puis comme ça va nous permettre d'avoir plus de sous. Voilà, donc du coup, regardez-moi ça. Il y a tellement de choses à récupérer là. Pff, oh là là, mais j'ai pas assez de gem. Petit à petit, ça s'installe, puis je les enlève pas, et voilà. Oh, vous avez vu un peu? Ah là là, après, c'est ça, c'est vrai que je voulais pas montrer. En plus, là, elle est en mode transparent, cristal, quoi. C'est plutôt pas mal. Ah, donc là, il me reste quand même pas mal de choses à enlever petit à petit, voilà, mais bon, ça je le ferai en dernier quoi, hein. C'est pour l'instant c'est pas la priorité, voilà. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés, enfin plus ou moins. Il y avait pas grand chose, après le problème c'est que j'ai plus trop où j'en étais. Donc il y avait Princesse Twilight, on a même Princesse Celestia, et on a même Princesse Amber qui est arrivée il y a pas très longtemps avec son petit lac de lave, très dangereux, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Alors il me semble que dans les photos, enfin dans les images que j'avais, dans les screenshots que j'avais fait du jeu, il me semble qu'il y avait la fin du jeu ou des trucs comme ça. Enfin, je sais plus trop où j'en étais, donc je saurais pas vous dire. Je sais plus si Luna on l'avait déjà fait en vidéo ou pas. Enfin bon, tout ça j'y ai plus parce que j'ai pété un gab qui fait c'est bon, j'en ai marre, on repart à zéro. Hop, plus de MLP, plus de Clash Royale, plus rien. Et finalement, je reviens, je fais du MLP, du Clash Royale. Ok. Voilà, non, mais c'est juste pour histoire de donner des nouvelles, tout ça. Et peut-être petit à petit, si jamais des fois, tu vois, je vais essayer d'économiser un max de gemmes. Et puis, comme ça, si jamais il y a des. comment ça s'appelle, enfin, des. tu sais, spécial, les gros événements. Et bah, comme ça, au moins, j'utiliserai mes gemmes pour. Pour vous montrer tout l'événement en entier, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vous laisse sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Et puis n'oubliez pas, moi, c'était cool.